pratique du sport dans les salles de gymnase attire de plus en plus les Ndiaménois, en l'occurrence les fonctionnaires, souvent occupés après une journée surchargée. C'est le lieu pour certains de se relaxer, moyennant une inscription mensuelle. Ces différents mouvements obéissent à certains préalables. Une fois l'abonné inscrit, quand il arrive au centre, on prend ses paramètres. Question de savoir quelle est sa tension, s'il est en surpoids, s'il a l'hypertension ou alors s'il a des problèmes de nerfs. Voici plusieurs raisons qui justifient l'engouement pour la fréquentation des centres de gymnase. Au départ, quand j'étais venue, c'était juste pour perdre du poids. Mais maintenant, j'ai envie de continuer parce que ça me permet d'être en forme. Je suis à 106 kilos, donc j'ai décidé de venir ici sur cette discipline pour perdre un peu de poids. La santé n'a pas de prix, donc je le fais, c'est pour ma santé, c'est tout. À partir de 40 ans en montant, on prend le poids, le ventre s'allonge. Et il faut travailler pour que les graisses soient brûlées pour maintenir son corps en bon état. De ce fait, l'on se pose la question de savoir pourquoi une salle aménagée pour le sport. Ma motivation, c'est de sensibiliser les travailleurs dont les tâches requièrent beaucoup de la stabilité. Assis autour d'un bureau depuis le matin jusqu'à le soir, nous nous tuons à petit feu. À la lumière des interventions des différentes parties prenantes, la pratique du sport est d'une importance capitale, car elle contribue au maintien physique de l'organisme. Le sport nourrit l'esprit comme le pain nourrit le corps, disait un adage.